Va de ma maison. Tu m'aides même pas. C'est pas ma faute, c'est maman, elle veut plus de toi. Oh my god. Tu fais diversion, tu fais rentrer par derrière. Ok. Bon, depuis le matin, je suis pas rentré chez moi. Ça fait des heures que je suis dehors là. Là, j'espère que les tensions du lean avec ma mère là se sont calmées. Non, rentre chez moi là. Allez, on y va. On va aller par la porte arrière alors. Je sais qu'ils sont là, je les vois là. À l'avant? Mais j'étais là. Bon là, ils m'ont dit d'aller à l'avant là. Et là, non, non, impossible, non. Ils ont vraiment laissé mon sac à l'avant. Non. Frère, c'est pour ça que personne n'ouvrait. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oh my God, non. Ils ont mis toutes mes affaires dedans, là. Une veste, un pantalon. Oh my God, je peux pas rentrer chez moi, là, alors. 5 minutes later. Je vais appeler mon petit frère, je vais lui dire de venir. Je vais appeler mon petit frère, là. Allô? Allô? Bijou, viens vite, je t'appelle, je t'envoie l'adresse là. Maintenant? Ouais, maintenant, fais vite. Ok, j'arrive. Ok, bye bye. C'est bon. Il arrive là. A few moments later. Bon, il est enfin arrivé. Il est enfin arrivé. Pourquoi tu portes une cagoule? Parce qu'il fait froid. Qui t'a dit de venir habillé comme ça? Il fait froid, mais. Pas. C'est moi qui a voulu. Parce que je pensais qu'il faisait chaud, mais pour le vrai, il fait froid. Ok, moi je suis au dehors depuis longtemps, donc tu me comprends ou pas? Toi tu viens de sortir là. Ouais, je te comprends. Hein? Ok, qui a mis mon sac devant la porte? Parce que je suis arrivé, j'ai sonné à l'entrée, il n'y a personne qui a ouvert, je suis allé derrière. Tu m'as dit d'aller devant, je suis allé devant, j'ai vu mon sac. Qui l'a mis là-bas? C'est moi, mais c'est maman qui l'a fait. Mais là, t'es en train de me trahir là. Comment c'est que je t'ai trahi? Après tout ce que je t'ai acheté, tu m'aides même pas. C'est pas ma faute, c'est maman, elle veut plus de toi. Oh my god, elle veut plus de moi? Oh, tu vois de la ligne comme ça, tu crois qu'elle va vouloir encore de toi? C'est pas de la ligne, mais c'est de la ligne, mais pourquoi ça m'a pas aidé aussi? T'as dû m'aider, j'ai dit que c'était bon pour la santé et tout, pourquoi ça m'a pas aidé? Mais moi aussi je crois que c'était de la ligne, donc j'ai seulement dit ça. Pourquoi ça m'a juste pas aidé? J'ai dit que c'était bon pour la santé, t'aurais dû dire oui, c'est bon pour la santé, il a raison et tout. Mais au c'est pour ton bien. Tu joues à la Fortnite tous les jours, est-ce que c'est bon pour toi? C'est pour ton bien? De un, je joue pas à Fortnite. Tu joues à Fortnite tous les jours, arrête. Je joue pas à Fortnite. Tu joues à quoi? Je joue à tout. C'est toi maintenant. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, maman? Parce que là, elle a dit plein de choses, mais en tout cas, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'elle veut plus de toi. God damn! Mais qu'est-ce que je fais alors? Je dors où? Qu'est-ce que je fais là? Oh, paye un hôtel, va chez ton ami, je sais pas, mais en tout cas. Oh, j'ai pas d'amis, moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Oh my god, donc là, elle va vraiment me laisser comme ça dehors là. Demande-la, essaie de l'appeler. Ce que tu veux, mais en tout cas, ça serait dur, je te dis ça en même temps. Putain, mais est-ce qu'elle a crié beaucoup ou pas? Comment, qu'est-ce qu'elle a? Ouais, elle a appelé tout le monde, elle a appelé. Oh my god, elle a appelé qui? Elle a appelé plein de gens, elle a appelé sa maman, ses tantes, ses soeurs, tout ça. Oh my god, ok. Et là, qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire pour. Comment tu penses que je pourrais rentrer à la maison? Sérieusement, soit tu fais quelque chose de fou, genre tu rentres par effraction, tout ça, ou tu lui donnes l'argent, en tout cas. Je sais pas, d'argent de 1 et des 2, pareil, fracture, mais non, ça c'est dangereux ça. Mais je pourrais rentrer par la fenêtre, ça. C'est bon? Par la fenêtre, maman est toujours là, c'est impossible. Elle est toujours où? Elle est toujours au salon et la fenêtre est au salon. God damn, mais si je rentre par la fenêtre de la cuisine, c'est bon? Trop petit. Ok, alors je rentre par la porte. Ok. Par quelle porte? La porte de derrière, la porte de devant, c'est impossible. Ok, alors tu fais diversion? Tu l'as fait monter, tu l'as fait changer de pièce. Là, maintenant, tu fais rentrer par derrière. Ok. Ok. Et donc là, tu fais rentrer. Oh, ça va être parfait. Ça va être attends, parfait. Attends. Combien tu payes? Quoi? Combien tu payes? T'as bien entendu. Ça, combien je paye? Combien tu payes? T'es malade, toi, hein? Je suis pas malade de 1. Mais t'es ouf, toi. Comment ça, combien je te paye? Combien tu payes? Frère, rembourse-moi tous mes V-Box, alors, tout ce que j'ai acheté. Attends. Tout se paye dans la vie, ok? Combien tu payes pour que je te fasse rentrer à la maison? Ma chiffre aussi va se payer. Tu vois, ma chiffre ici, là, ça va se payer aussi. Yo, soit tu restes ici et je pars à la maison, soit tu viens avec moi et je te fais rentrer à la maison.
Tu fais, là, c'est des menaces. Là, tu me dis toujours que je te fais des menaces. Là, tu me menaces. C'est toi qui me menaces, là. Non. Non, du chantage. Tu me fais chanter. Désolé. Ok, combien tu veux? Combien tu veux? Environ 100 dollars. 100 dollars. Ah, mon cul, ouais. Tu veux combien? 100 dollars. T'as bien entendu. Ok, j'ai pas 100 dollars, s'il te plaît. Je descends à 50. 50? Tu peux descendre à zéro? Non. Ok, 20 dollars. 25. Là, tu forces là. 25. As-tu déjà laissé les deux bouger, mec? C'est pas drôle. Ok, bon, ok, 20. J'ai juste 20. Tu sais, je suis dehors depuis le matin. Et puis ici aussi, là. Ok, donne 20. 20? Ok, je vais te le donner après. Ok. Quand on rentre à la maison, tu me fais rentrer. Parce que là, je sais pas si tu vas réussir à me faire rentrer ou pas. Tu me dis pas que t'es en train de me piéger, là, tu vois. Ok. Tu me fais rentrer, je rentre à la maison, on est à l'intérieur. Là, je te paye après. Ok, donc, okay rentre... mais attends. Tu vas faire comment la paye? Tu vas directement quand tu rentres ou après que tu Ouais, je vais te payer après, t'inquiète, je vais te payer après. Okay. Je vais pas le payer. Je vais te payer après, ok? Qu'est-ce que t'as dit? Je vais te payer après, c'est bon, ok, bon. Rentre pas à la maison, va chercher un masque. Ok. Et pour que maman ne me reconnaisse pas au cas où elle me voit, tu vois. Okay. Là, si elle me voit, je veux dire que je suis un plombier. Ça peut marcher ou pas? Bonjour madame, je suis un plombier. Non. As-tu déjà laissé deux bouts de mec? Arrête là, c'est bon. C'est bon là. Ok, bon, on va chercher un masque s'il te plaît. Allez, on y va là. Je commence à avoir froid là. Depuis le matin, je suis dehors. Depuis le matin. Allez, va chercher un masque là et on y va. Let's go. Attends, j'ai une question. As-tu déjà laissé deux bouts de mec? Arrête, arrête ton rire bizarre. Arrête, juste arrête. Ok, va chercher un masque. Va chercher. Go. Vite. Va chercher un masque. 2 hours later. Allô? Oui, allô. Bijou. Oui. T'as dit, mon mère par-ci? Oui. Tu l'as éloigné? Oui, elle est montée. Ok, parfait. Donc là, je suis déjà là. Allume la lumière là. C'est bon. Vas-y, viens, sors, je suis là. Go, je suis arrivé à la maison là. Oh, merde. Enfin, j'ai réussi. Là, je rentre là. Oh my god. Voilà. Enfin. Go. Attention, un bijou. Et tu fais tout ce bruit, tu ne sais pas qui a les gens en bas. Pardon. Oh!